Bonsoir, je vous invite à vivre avec moi les 10 jours de prière de notre église adventiste du 11 au 21 janvier à partir de 19h. Que l'Éternel puisse, en ces 10 jours, nous parler, nous bénir. Le thème de ces 10 jours, retour à l'autel. Jour 4. Dieu revient vers l'homme. Reconstruisez-le et il viendra à nouveau. Tout le peuple s'approcha de lui, alors il se mit à réparer l'autel du Seigneur qui avait été démoli, 1 Roi 18, verset 30. Quand les pluies cessent. En ce jour fatidique, l'atmosphère était chargée, mais un silence sinistre avait envahi le mont Carmel. Autrefois, ce mont boisé était luxuriant, vert et magnifique. Il recevait des pluies abondantes et était considéré comme un lieu saint, un lieu de bénédiction et de fertilité. Mais tout cela a changé. Ce qui était vert auparavant était maintenant brûlé et dénudé, résultat d'une sécheresse douloureuse de 3 ans et demi. Voici comment Ellen White décrit Israël à cette époque. La terre est desséchée comme le feu. Les rayons ardents de soleil implacable font disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d'eau tarissent, les troupeaux se lamentent et errant, errent ça et là en détresse. Les champs jadis prospères sont devenus comme des déserts, comme une vaste désolation. Les bosquets dédiés au culte des idoles ont perdu leur feuillage. Les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n'offrent plus leurs ombrages. L'air est desséché et suffocant. Des tempêtes de sable aveuglent et coupent la respiration. Les villes et les visages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d'une mortalité effroyable. La famine avec son cortège d'horreur se répand de plus en plus. La sécheresse du cœur. La sécheresse spirituelle qui a desséché l'âme du peuple de Dieu et l'a privée de foi surpasse la sécheresse physique qui a frappé la nation. Israël était dirigé par le méchant roi Akab et sa femme Jézabel. L'épouse sidonienne d'Akab avait contribué à affaiblir toute dépendance à Dieu. C'est dans cette apostasie spirituelle catastrophique que Dieu a appelé le prophète Élie. Ellen White dit d'Élie ceci: il vivait sous le règne d'Akab, un homme de foi et de prière, qui devait par son ministère intrépide mettre un frein au progrès rapide de l'apostasie en Israël. Élie reconstruit l'autel. Après que le prophète de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à obtenir de leur Dieu qu'ils envoient du feu, c'est au moment de l'offrande du sacrifice du soir qu'Élie a fait venir le peuple et a reconstruit l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. De fait, Élie ne se contentait pas de rappeler la nation à l'autel du vrai culte, il la rappelait plutôt à l'autel du culte régulier et systématique du vrai Dieu. L'autel d'adoration collectif des enfants d'Israël était brisé, mais les autels de culte personnel et en famille avaient été brisés bien auparavant. Comment Dieu ramène à lui? C'est l'instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel, dont le premier acte de réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier. En ce soir, Dieu trois fois saint, nous venons à tes pieds, le cœur, Père éternel, humilié devant ta face, pour te dire merci pour la journée, merci pour tes bénédictions et merci pour ta présence dans nos vies. Oui, Père, c'est ton Esprit Saint qui a convaincu les Israélites sur le mont Carmel alors qu'Élie reconstruisait l'autel. De la même manière, nous te demandons de nous convaincre et de toucher nos cœurs aujourd'hui. Montre-nous nos péchés, afin que nous trouvions en Jésus le pardon et la grâce de vaincre. Rapproche-nous de toi,
Révèle la beauté de ta sainteté à nos cœurs et donne-nous un désir ardent de toi comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Nous sommes coupables d'avoir négligé les moments bénis avec toi par un culte régulier, que ce soit individuellement ou en tant que cellule familiale. Donne-nous un cœur nouveau, une disposition d'esprit nouvelle et conduis-nous à rétablir des moments réguliers de culte et de piété avec toi. Aide-nous à être déterminés et cohérents, ranime notre être entier et notre foi, afin que la vraie religion se vive en nous par ta présence. Nous te remercions, Père, pour tes bénédictions dans nos vies et nous te prions de nous aider à prendre quelques minutes avec toi chaque jour, matin et soir, à rétablir l'autel dans nos foyers, Père éternel. Nous prions pour que tu continues à bénir les églises mondiales, toutes les églises, Père éternel, ici en France, et que tu, Père, nous aides, Père, à écouter ta voix. Et nous voulons encore te répondre par la louange et le chant, au nom de Jésus. Amen.